CM la famille, j'espère que vous allez bien. Grosse, grosse vidéo, vous savez qu'en ce moment on est à la Mecque. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire une FAQ, répondre à toutes vos meilleures questions. C'est parti. Là on va sortir en ville, vous allez péter un plomb, comment c'est super beau. Yacine, la première question. Est-ce que vous êtes fier de votre parcours sur YouTube? Moi franchement je suis super fier, je vais vous dire pourquoi. Ma plus grande fierté c'est qu'en 10 ans de vidéo YouTube, là ça fait 10 ans à peu près qu'on est sur YouTube. 10 ans hein? Ouais, on n'a pas fait une seule vidéo en parlant mal sur une personne. Que ce soit un autre youtubeur, que ce soit un streamer, malgré que Younes en est témoin, vous en êtes sûrement témoin, il y a plein de gens qui ont parlé sur nous, qui disaient des choses avant, ouais, ils font des pranks, ils exploitent leur sœur, je sais pas quoi. On n'a jamais répondu, jamais on parlait mal sur les gens, etc. On a toujours fait des choses qui nous plaisaient, on s'est toujours amusé. Certes, quand on était petit, on était un peu plus foufou parce qu'on était jeunes, on faisait des pranks, etc. Là, maintenant, on a un peu plus grandi, donc moi, je suis très fier de. Et en plus, on a réussi à développer une bonne communauté, 1 million, c'est énorme. Sans s'humilier, sans insulter. Ouais, c'est possible, vous n'avez pas besoin de faire les hackgones pour faire des vues. Si c'est un bien pour vous, Dieu va vous faciliter, vous allez monter tout seul. Il y en a pour certains, c'est un mal pour eux d'être connus, ils vont faire encore plus n'importe quoi, tu vois. Et bon, ils vont se sentir comme des rois, ils vont arrêter de croire en Dieu. C'est pour ça la famille, si vous pouvez réussir sans insulter, sans dire des gros mots tout le temps. Et puis voilà, vas-y, j'appelle l'ascenseur là, on descend. On va descendre et t'appuies sur le 0. Regardez là-haut, ça va s'afficher. Ah non, c'est où que ça s'affiche? Le B, maintenant faut aller au B, 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 B. C'est où B? Là. Ah ouais, B, c'est là-bas. L'ascenseur, il est là. Ah, moi, j'étais le premier à croire avant que l'Arabie Saoudite, la Mecque, c'était grave, grave ancien. Mais Théma, comment c'est nouveau? C'est un truc de ouf. En fait, ce qui est dur ici, c'est le décalage horaire, le changement de comment ça s'appelle. Le climat, il fait grave chaud et tout. C'est ça qui est dur à supporter. Mais tu sais, t'aurais voulu faire si t'aurais pas été youtubeur. Si j'aurais pas été youtubeur, j'aurais voulu faire soit footballeur ou prof de PS, un truc dans le sport ou coach sportif. Ou soit dans la bouffe, parce que moi je kiffe la bouffe, soit j'aurais fait goûteur, ou soit j'aurais fait pâtissier. C'est des métiers que j'aurais kiffé faire. En plus, regardez le cadre, incroyable, avec la grande horloge là-haut. Et toi, si t'étais pas youtubeur, t'aurais voulu faire quoi? En fait, un métier où j'aurais énormément de temps libre. Mais genre, dans quel domaine? Dans le domaine du sport, je pense. Genre prof de PS, truc comme ça? Footballeur ou un truc comme ça, je pense. Ou prof à mon compte. Prof à ton compte? Genre prof de sport à mon compte, quoi, coach sportif. Ah ouais, coach sportif. Là, on est totalement dans le magasin. Avance un peu, vous allez voir. C'est vraiment, on dirait, on est à New York, non? Théma, c'est super grand. Des trucs de bijoux de luxe. Il y a des odeurs de musc. Vous ne pouvez même pas imaginer. Regardez comment c'est grand. Là-bas, il y a des glaces. Là, c'est soir, en plus. Il y a une question pour toi. C'est quoi ta pire phobie? Vomir. Vomir, tu détestes? Ouais, j'aime pas. Les gars, je témoigne que c'est vrai. Lui, vous voyez, lui, là, quand il est malade, il vomit jamais. T'as vu, des fois ça remonte. Et quand tu vomis, c'est dur sur le moment, mais après tu te sens bien. Et lui, je vous promets, jamais il vomit. Il garde tout en lui, il reste dans son lit. Parce qu'en mode, je crois, un jour il a vomi, il a failli s'étouffer. Donc du coup, maintenant, il a la phobie de vomir. Et vous savez que là, on est dans un marché. C'est l'endroit le plus détesté d'Allah. Je vais vous donner un petit secret, un cadeau de ouf. Quand vous entrez dans un magasin ou un marché, les musulmans, et vous dites Ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd. Vous avez 1 million de bonnes actions. 1 million. Donc voilà, je vous ai dit le truc. Des fois, j'oublie, parce que des fois, je pense à ce que je vais acheter. Mais quand j'oublie pas, je le dis souvent. Et c'est 1 million, c'est un truc de ouf. Alors, cette question elle revient souvent. Tu veux maigrir, poteau? T'es au collège. Viens voir, tiens, on va faire un truc qu'il faut pas faire. Là, on est à la maison des donuts. On va prendre un donut pour Myriam. Ah, calmez-vous. On a donuts nature. Ils sont vraiment gros. Nutella, moi, je te conseille vraiment. Celui-là, il a l'air d'être bon. Là-bas, t'as des sortes d'éclairs au chocolat. Non, sinon, t'as le fourré au chocolat. Laisse Myriam, tu veux prendre quoi? Je vais prendre celui en bas. Vas-y, on va commander celui en bas pour voir. Et après, je vous dis. J'ai pas vu, il y avait des multi-petits là. Vraiment à l'époque. One, yes. Ah ouais, je parle bien anglais. T'as dit one et tu dis je parle bien anglais. Bah ouais, one. Bien. One. Il m'a rendu 30, 40. Il m'a... En fait, c'est 8, je crois. C'est même pas, ça va. C'est... Ça fait combien? 8? 2, 4, 6, 8. 8. 8 divisé par 3. 2, 4, 6, 8. Oh, c'est encore plus cher que 2 euros. 2 euros. Alors, comment faire pour pas grossir? C'est super simple, mon pote. Il faut plus manger ça, plus de gâteau, plus de boisson. Sinon, tu peux manger tout le reste. Viande. C'est ma manière de maigrir. Tu peux manger de la viande, tu peux manger des fruits. Et faire du sport, il n'y a pas de cheat meal. Ne me dites pas, au bout d'une semaine, je fais un cheat meal. Non, tu restes 3 semaines sans cheat meal, vas-y, et tu fais du sport. Surtout, tu ne manges pas ça. Là. Tu vas grossir, tu vas maigrir. Mais là, pour maigrir, il faut manger que des donuts.
Quand je vous dis que c'est vraiment n'importe quoi, regardez ici, on a une pizzeria. En fait, ici, il y a tous les fast-food possibles. Tu peux faire un rallye de la bouffe, manger un fast-food toutes les heures. Donc la question, c'est quoi, Yacine? Pourquoi on s'est lancé sur YouTube il y a 6 ans, il a dit? De base, j'ai la vérité. On avait déménagé dans une campagne et on n'avait pas trop d'occupation. Du coup, on avait vu sur YouTube, on était des gamers de ouf. À la scène, c'était Call of. On voyait plein de gens qui faisaient des vidéos sur Call of. Du coup, on s'est dit pourquoi pas nous et on s'est lancé. Au début, donc c'était Call of Duty. Ouais. Et moi, j'étais pas née. Elle était pas née, du coup. C'était mieux ou c'était pas mieux quand il n'y avait pas Myriam? Non, c'est mieux maintenant. C'est mieux maintenant qu'il y a Myriam. Regarde, on a même trouvé un magasin de téléphone à la Mecque. Il y a les derniers téléphones. Je crois que ceux-là, ils sont même pas sortis en France. Il y a tout. Il y a même des trucs pour faire les TikTok. C'est un truc de ouf. Regardez, il y a le truc pour faire les TikTok. Il y a des codes de téléphone, il y a tout. C'est un truc de ouf. Là, on est au magasin, il me faut un camis parce que celui-là. Il sent pas très bon parce que je transpire. Moi, je suis un mec qui transpire de ouf. Prochaine question, est-ce que on a une vidéo qu'on n'a jamais sortie? Ouais, je vais vous dire ça, mais juste avant, regardez, moi je préfère. Voilà la grise là à gauche. Ouais. Elle est incroyable. Sauf que c'est que le haut ça. Ouais, non, c'est toute l'âge là-bas, je vais lui demander et on va voir et après je vous réponds à la question. Seven. Seven, c'est quoi Seven Chi? Seven Chi, c'est 75. C'est 25 euros à peu près. C'est pas fameux, hein. C'est ici, quand vous venez ici là, prenez de l'argent, c'est grave rush. Voilà les gars, on a sorti la moula, j'ai sorti 40, il m'a dit 75. Je vais dire ça, il va me dire non et puis voilà, tout le monde est content. Vas-y. Bon les gars, ça a pas marché, je lui ai dit j'ai que 40, il m'a dit non. Donc du coup ce qu'on fait c'est que je prends pas, c'est rien, c'est trop cher je trouve pour moi. Alors la vidéo c'est quoi, si on avait fait un court métrage guerre de gang et dans cette vidéo là il y avait Nassim, tous mes cousins, on avait des airsoft, on a fait une putain de vidéo et le problème c'est que les passants ils ont appelé la police, ils ont dit qu'on était des gens malhonnêtes, qu'on faisait des trucs bizarres, la police ils sont venus, ils nous ont braqué, après c'est parti loin, la juge elle nous a tous convoqué à la police et du coup on n'a pas le droit de sortir la vidéo et cette vidéo elle est jamais sortie, pourtant c'est un banger, c'est une des meilleures vidéos qu'on a faites, mais si on l'aurait sortie, soit on sera en prison, soit je sais pas, pour rien, plus pour des airsoft. Les gars, dinguerie, j'étais dans un magasin juste à côté, la même gel là-bas, il me l'a fait à 55, alors qu'elle était à 75. Du coup, Myriam m'a rajouté un peu de monnaie. Tu vois, j'ai eu raison de pas donner 75 à l'autre. C'est pas que je suis un crevard, hein. Mais faut pas se faire arnaquer dans la vie. Du coup, on a réussi à sortir. Yacine habillé comme ça, on dirait pas un mec d'ici. Toi, on dirait t'es un mec d'ici, t'as la même tête que. C'est un truc de malade. Du coup, je crois que toi, tu vas rester ici, hein. On va trouver une petite femme, une petite maison. Ou sinon tu restes à l'hôtel comme ça, regarde, on va trouver une petite femme et tu vas t'appeler Yacine et on reste en communication par WhatsApp. C'est bien, tu seras à la Mecque dans la meilleure ville du monde, tu veux pas? Et toi du coup tu vas en Inde? Pourquoi en Inde? Je sais pas. Non, à Médine. Ah ouais, à Médine. À Médine c'est mieux et toi tu restes à la Mecque. Là on va rentrer, je vais vous montrer mon achat et je vais répondre à la dernière question que vous attendez tous. Mais avant, t'as vu ici tout le monde est en jeu de là-bas. Mais c'est pas très pratique, je vais vous montrer pourquoi quand tu veux courir. Je me sens pas super bien. Même si un mec il fait une passe, c'est pas. Je sais pas. J'avais même pas vu tout à l'heure, il y a un oiseau, il m'a fait caca dessus. C'est comme ça qu'il me remercie. On va voir ce qu'il m'a vendu. Ça, je l'ai eu à peu près pour 14 euros. Normalement, elle est pas mal. En fait, c'est la même. Elle est stylée, hein. Ouais. Bon, la famille, alors combien vous touchez par mois? Je vais être très, 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 très honnête avec vous. Moi-même, je sais même pas exactement combien on touche. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'argent de YouTube, on c'est pas nous qui la touchons. T'es obligé de créer une entreprise. Tout cet argent, elle va dans l'entreprise. Et moi, je peux pas, par exemple, prendre cet argent-là et m'acheter ce que je veux, quand je veux. Il y a un comptable qui gère tout. Ça veut dire, on se verse un salaire par mois et on peut pas prendre tout l'argent. Et l'État, ils nous prennent énormément d'argent. Et deuxième chose, je me soucie pas de combien je touche. Je m'en fous. Pourquoi? Parce que depuis le jour où j'ai appris que c'est Allah, c'est Dieu qui nous accorde notre subsistance et que Dieu nous aime plus que notre propre mère, il va jamais nous rendre malheureux. Je sais qu'Allah, il va me donner ce que j'ai besoin, ni plus ni moins. Donc quand je suis ça dans ma tête, j'étais grave apaisé et je calcule pas. L'argent c'est important, on l'a dans la poche mais on l'a pas dans le cœur. T'as vu, c'est ça, c'est très très important. Donc pour vous dire, mon salaire, moi personnellement, je me verse à peu près un salaire de 1200 euros par mois. Yacine pareil, ça veut pas dire qu'on touche 1200 euros par mois mais c'est le salaire. Ça nous suffit largement pour acheter les courses et tout, vu qu'on est encore chez nos parents. Et puis voilà la famille. Moi je vais vous laisser là. N'oubliez pas de mettre un gros like et abonnez-vous. Et si Yacine, t'as le mot de la fin, je te laisse. Bonne soirée à tous, bonne journée à tous et salam. Ah là, tu vas aller dormir, je t'ai capté toi. Ouais.